BKYH. Alors ouais, BKYH sont sur, alors sont dans la groupe, dans le groupe 1. On va dans ça. Sont dans le groupe 1 avec 34 degrés Exterdam. Newborn, se rend compte qu'il est vieux. Bah ouais, écoute. Il a des cheveux blancs et là il les cache. Non, t'arrêtes de dire des conneries, toi. Tu les as plus tes cheveux. Si, si, moi je les ai plus, mais alors ils sont pas blancs. T'as entendu Skyrim ? On a entendu. Alors Red Blood, 3ème Ingrid, 4ème Baka, 5ème YH, 6ème. Quoi ? Olink contre Sbat Money. Scala PXL. Non, non, il est pas à PXL, Scala. Non, non, non. On parlait de choses passées parce que j'ai eu Cacahuète et je repense à des souvenirs avec Ska, Cacahuète, Kens, Kraft, tout ça, putain. Et t'es chez qui ? Tu vois, Playboy, tu vois ce que j'aime bien en LAN, c'est ça. Olink culé ? Non ! J'ai pas. C'est de la faute à Benjamin, il a pas dit bonjour. Non mais Benjamin il a pas dit bonjour. Ouais, il a pas dit bonjour ce matin. L'IP n'est pas la zone, mon cher Régis Attard. Le port avant le vent de la lotte. C'est comme le. Regarde, le clan de Carlin combat. Alors, est-ce qu'on va se connecter? Je suis sur Nuck moi. C'est pas Nuck. Alors, on est en train d'aller Overpass. On va aller rejoindre YH pour les plus vieux, leur rappeler les secondes. Parce que eux, ils sont toujours là à chaque lane. On donne un petit peu les scores, ce serait bien que tu fasses les résultats. Vas-y, je te laisse dire les scores pendant que je vais reprendre la game. On peut nous rebasculer en régie sur la game. C'est déjà le cas, peut-être. Oui, c'est déjà le cas, super. Alors, Yok, du coup, avec un petit point de vie. Merci, face. Cher Attard. Attard à la régie, hein. Toujours number one, oui, Attard à la régie. Qui nous fait d'ailleurs. Personne. L'immense joie d'avoir de LAN en LAN un matériel à nous proposer pour caster qui est juste incroyable. C'est simple, avant il avait une demi-table. Ouais, aujourd'hui on a pris combien 9. Il y a 9 tables de régie, bravo. Et sans oublier l'autre salle et tout. Voilà. Ah, c'est impressionnant. Allez, 12-10 pour YH. Qui a pris l'avantage face à Baka. Baka qu'on avait déjà vu tout à l'heure, un Scrat, Latric, François, Max. Donc c'est suivant l'ancien manager ou coach, je sais plus, chez 3D Max. Pour ne citer que 3D Max, avec David Pelogan, Jinx, Maka. Et il y avait qui à l'époque? Je crois qu'il y avait Adlane déjà encore à l'époque. Black Sad, donc du coup avec eux contre notre mix de papy. Bigfoot, Eternals, Yok, Steffi et EK. 12-10 en faveur de Ignoreds, de YH sur Overpass, sur ce side terreau. Je rappelle que la dernière map, donc la cinquième carte de ces phases de poule, sera Nuck. Donc on ne jouera pas Mirage et on ne jouera pas Train dans ces phases de poule. C'est la carte pour le Olink. Alors que là, il y a Scrap qui a essayé de piquer au niveau de sa longa sur Steffi, mais qui va se faire éliminer. Steffi qui a été solide. Oh, le kill de K sur François, très intelligent, qui s'est infiltré sur le tuta. Malheureusement, il va se faire éliminer par Black Sad maintenant. Situation de 2 pour 1 en faveur de YH. Avantage terroriste. Oh, la bonne mollo. Yok qui va se faire éliminer par Black Sad, même si ça va être revenge par Steffi. 3 pour 2, avantage YH. Latric est en train de back up au niveau de ce bombe Sita. Suivant, Latric face à Bigfoot, Ether et Steffi. Steffi intelligemment positionné au haut de ce truc au niveau de cette banque. Attention à Latric qui pourrait se faire éliminer. Ne s'attendrait peut-être pas à Steffi au niveau de ce contact. Steffi qui est patiente. Max en train de. Pas qu'elle meurt Steffi, elle a que 750. Max et Steffi qui va prendre le meilleur sur Latric. Laissant seul suivant. Suivant face à Bigfoot, Ether et Steffi. 1v3. Bombe posée. Suivant dans le dos des joueurs terroristes. Est-ce qu'il... Moi j'irai pas. Voilà, moi j'irai pas. Il va récupérer intelligemment son sniper. Moi j'irai pas. Et va aller le conserver. C'est super important. On regarde leur. Ils ont pas des masses d'argent. Ils ont pas de sous. Hein. Surtout qu'ils ont mis le rune juste avant au niveau du timing. Donc ça veut dire que le prochain round ils vont vraiment pas avoir de sous. Moi quand en money loser, c'est vraiment pas la Bérésina. On pourra à Team Fat après, à tout le monde qui nous demande la Team Fat. On va essayer de passer à Team Fat du coup après. On va regarder. Qu'est-ce que ça donne à Team Fat? On va voir un peu ce qu'ils font. Là, la Team Fat, son cinquième.
Alors, voilà. Ils ont une poule compliquée, peut-être la plus relevée d'ailleurs. Money Time, premier. Bunker, deuxième. On va regarder ça. Olenk, troisième. Olenk culé. Et oh ! Pardon. Et donc, round remporté par Ignored, par YH. Pendant ce temps, la big foot, ce monster va cross la smoke avec le Krieg. Il a repéré un joueur au niveau de l'eau. Pendant ce temps, là, c'est Steffi qui va ouvrir au niveau de ce toxique sur la Krieg. Même si François va être très solide, va faire un double kill sur YFoot et EK. Cette revenge une fois de plus par Steffi. Yok sur Black Sad. Situation 3v2 encore en faveur des YH. 13 à 10, la grenade sur Yok. Il y a l'information d'un joueur qui est au niveau de sa hauteur. Steffi en train de brûler. La smoke au niveau de l'upper B, la mollo au niveau de la BC. Scrat est suivant face à Ether, Yok et Steffi, la bonne HE de Scrat, même si Yok a une énorme position là-dessus, va faire le premier kill, la repère au deuxième, il est en train de rouler au niveau de ce bois, la bonne grenade, sur Max, 14 petits points de vie, situation de 2v1, Max qui est dans la merde, et qui va s'éliminer par Eternal, 14 à 10. On peut rappeler les scores, s'il te plaît, Chakam. On peut rappeler les scores, tout à fait. On va faire un point. Donc, au niveau de l'équipe Baka, on va suivant Max 11-20, Scrat 11-17, Blacksad 15-18, François 13-15 et Latrick, pour l'instant, le seul positif de son équipe, 21-14. Côté Ignored, YH, on va Ryok en 16-12, Steffi en 15-16, Bigfoot en 15-12, Eternals en 17-14 et EK en roue libre en 21-17. Voilà, pour l'instant, les deux premiers de chaque équipe qui se détachent, hein, EK et Latrick. Alors que côté Baka, on ne jouera pas le draw, on a décidé de force. On porte chance à Steffi, depuis qu'on est là, je crois qu'elle a fait 4 kills d'affilée. Eh bah écoute, tant mieux. Hein. La seule fille qui est dans ce match, tant mieux si on le porte chance. Deux FAMAS en tout cas, une M4, un Deagle et un SMG, un MP9. Côté Baka, donc on a forcé. Côté YH, pour l'instant... 4 AK et une AWAP. 4 AK et une AK, 4 AK par une AK, donc 4 AK et une AWAP pour y arriver. On est en train de dézoomer tranquillement, on est en train de voir si on est en train de push. Côté Baka, YH très patient, Ether qui pourrait flash cette construction pour la faire reprendre à son mate, alors que pendant ce temps on est en train de se faire un boost. Par contre j'aurais peut-être fait booster l'M4 que le pistol, moi ça aurait été plus intelligent. Du coup voilà, François va en payer les conséquences, il va se faire éliminer par Bigfoot, situation de 5v4. On va repartir au niveau de ce monster. Les CT qui vraisemblablement pourraient faire un pari sur le bomb site B. À Blacksad d'être solide. Si Blacksad tombe là, ça va être très compliqué. Hein. Faut qu'il fasse le kill tout de suite. Ils sont en contact. On est en train de pré-shot toxique. La mollo pour dézoner Blacksad. La Trick va quand même faire le kill sur Ether. Steffi, Blacksad, le double kill sur Steffi et Bigfoot. Situation 3v2. Cette fois-ci en faveur des Baka. Yok qui va s'éliminer encore une fois par Blacksad, énorme round de Blacksad et Scrat sur EK, 14-11. Round remporté par Baka. 2 AK pour YH. On va acheter côté YH, un CZ, un P250, 3 AK, on va décider de force. Yok a rien. Yok a un P2, ouais, P250, c'est tout. Côté CT, on aura une AK, une AWAP, une M4, silencieuse, un FAMAS et un MP9. Scrat, c'est pour faire un prélèvement de kill au niveau de ce connecteur. Il va être accueilli par EK avec le CZ. Pendant ce temps, Bigfoot va éliminer suivant. La flash sur Scrat, qui n'a pas donné grand chose. Est-ce que EK va être patient? Pour l'instant, oui. Tellement bien placé. Très compliqué pour eux. Par contre, Yok va l'éliminer avec le petit P250. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir récupérer une arme sur Yok. Situation de 4v3, avantage YH. Il a toujours rien récupéré, Yok. Ouais, il prend son temps. Il n'y a peut-être pas l'information que c'est clean au-dessus. Peut-être pas mourir bêtement. Voilà, là, il va y aller. Regarde. Elle récupère cette arme, voilà, qui est fait, 4 AK, face à une AWP, une M4 et un FAMAS. Les joueurs de Baka, il n'y a que Blacksad qui est sur ce bomb site. Attention, si Blacksad tombe là... Sur la langue. Oh, le kill sur Yok. Et le revenge de Ether. Ils ont fait le déplacement, les Baka. 3v2, Bigfoot qui est en train de prendre énormes dégâts là, sur le FAMAS de Gitan. Il faut pas que Baka perde ce match. Il faut pas qu'il perde ce round. Ether est trop bien. Ether est vraiment trop bien. La mollo en plus ne le brûle pas. Oh, il est invisible Ether. C'est avec la mollo là, les CT ne vont jamais penser à le check. Il est trop bien. Là ça va poser. Il va jamais être check à gauche. La mollo t'es juste à côté. Ah il espère quand même. Oh, bah, on a un petit free, excusez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui. Un petit freeze. Ether, donc au final, n'a pas été check parce qu'il a fait le kill. Et Steffi derrière qui Steffi qui a terminé son 15 round en 1 contre 1. Elle le remporte. 15e point donc pour Ignore Head. 4 balles de match pour les YH. Ouais. Il a mis, mis des têtes quand même, Ignore Head. Ouais, bah ouais, c'est mon équipe. C'est bien. C'est un beau jeu de mots. C'est le coup de la girafe quoi. C'est un coup monté. C'est ça. Ouais, c'est comme tu plaques. Si on se voit pas, on s'éclaire quoi. Ouais. On peut jouer à ce jeu là, hein. Ça peut durer longtemps. Vas-y, on essaie. Allez, le cas qui a débranché le cerveau, pris le McTen, en train de rusher au niveau de ses toilettes. Il va arriver carrément au contact, par contre, Max qui est derrière, les a pas entendus. Incroyable. Moi je parie sur une victoire des YH. Oui, bah oui, si tu es en V3, pour l'instant tu prends pas trop de risques. EK qui est en train de continuer à avancer, qui a fait le kill sur François. EK qui est en roue libre avec le McTen, il court, le furet, on y va. Hop hop hop, le coup de dommage. Là, c'est éliminé par la trick, situation de 4v2. Scrat et la trick face à Steffi, Yop et Der. Le kill de la trick, le kill de Scrat, 2v2. Attention pour YH. Je parie sur Steffi. Je sais pas pourquoi. Steffi. Steffi et Yok. Steffi, Yok, l'OHP. Steffi. Ah, elle est morte. Steffi est morte. Yok qui va faire le kill sur Scrat, la trick. Oh, il a raté la trick. Ça va être très compliqué malheureusement là. Ah, il peut pas désamorcer. C'est terminé. Et, voilà, et Yok qui va éliminer. Victoire de Ignore Head de YH. 16-11. Bon, pour le peu qu'on a vu de cette fin de rencontre. Moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé.